te baisse le son. Hop là. Bonjour Bud, bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Charlie. Et bah aujourd'hui, on se réunit pour parler d'un tournoi. Un tournoi par mois, et ce tournoi de ce mois-ci, c'est le Rendez-vous Blue Ball. Et ouais, tournoi qui se déroule dans le, j'allais dire, sud de la France. Le sud, sud de la France, ouais. ouais, hein, y a la France, il y a les autres, quoi. Il y a la France, il y a le reste. Hein. Donc le sud de Paris, c'est ça? Le sud de Paris, c'est ça. Épernon, à peu près, pour être plus précis. Donc dans l'Essonne, là où il y a un semblant de civilisation, comme diraient d'autres. Mais, mais bon, il y a surtout un joli tournoi qui en est à ça. C'est un des plus vieux de France. Oh là, c'est le, non, c'est peut-être le deuxième plus vieux avec Baudet-Neige. Je crois que c'est le deuxième. Il y en a un qui a raté une édition, je crois. Que Baudet-Neige a changé sa date pour ne pas rater son édition de souvenir. On laissera peut-être, les personnes faire des commentaires si besoin. Ouais. Salut Alien. Salut Alien. Et donc le Rendez-vous Blue Ball, donc très vieux tournoi de la région parisienne et tournoi de, des chisseurs de Timère, un truc comme ça là. Ouais, à peu près. Un truc comme ça. On les connaît bien. Ouais. On les connaît bien à la Sox pour leur équipe de Blue Ball qui aime beaucoup le violet. Et c'est vrai que bah, c'est quand même un des grands rendez-vous du Blue Ball. Aussi parce qu'il n'y a pas tant de tournois autour de la région parisienne. Parce que je rappelle que le plus grand tournoi de France est organisé par la Lutèce. Et que c'est pas du tout près de la région parisienne. Non, parce la grande région parisienne, quoi. C'est encore au sud. Hein. Au pour sud plein de raisons, et notamment que c'est pas cher. Ouais. Mais donc bon, plein de raisons. Donc c'est bien d'avoir des tournois près de la région parisienne, ça attire notamment bah, tous les joueurs de Paris. Et donc on va en parler aujourd'hui de ce tournoi, donc le Rendez-vous Blue Ball, RDV BB pour les intimes. Ouais, alors je vous ai mis le. Vas-y, pardon. Je vous ai mis le. Le symbole, là, vous pouvez voir, et si vous voyez rien de phallique, vous pouvez toujours aller voir sur France Blue Ball. Les médecins vous expliquent en quoi c'est un symbole quand même bien dégoûtant. Hein. Vous l'avez sur la vue. Donc, je vous renvoie au forum de France Blue Ball. Regardez à la rubrique tournoi Rendez-vous Blue Ball. La première page, et les médecins, avec leur esprit acéré, vous décortiquent ce symbole, enfin ce logo. Mais attention, vous aurez du mal à dormir après. Mais que si vous avez plus de 18 ans. Yes. Eh ben, on va attaquer tout le monde. Eh ben, on est parti. Comme d'habitude, on commence par présenter différents éléments sur les règles. Et puis, à la fin, on finira par des rosters qu'on vous présentera. On n'en présentera pas beaucoup. Notamment parce que ces rosters sont assez classiques. On n'a pas ressorti les rosters classiques. Et que j'avais pas trop le temps d'en faire perso. Donc, j'en ai fait... deux sur lesquels j'avais réfléchi il y a longtemps et j'ai pas eu le temps d'en refaire d'autres. Donc une dernière partie un peu plus light que d'habitude, je crois qu'il y a 5 rosters ou 6 rosters qu'on présente. Et on va commencer par les règles. Première chose, équipe de 3, c'est les triplettes. C'est pas si courant que ça dans le football. Non, ça, les équipes de 3, ça a quand même un avantage en point de vue orga, c'est que bah, niveau table, forcément, on en a moins. Bon, tu me diras, ça va être pareil pour équipe de 2, etc. Mais je sais que ça a été... Bah, c'est une des raisons pour ne pas passer en équipe de 4, c'est que bah, par 3, le choix des rosters est aussi assez différent, mais ça a aussi une incidence pour le mobilier, on va dire. En plus, ils changent de salle, donc ils étaient un peu short niveau table, donc c'était plus simple pour des équipes de 3. Mais bon. Donc les triplettes pour ce tournoi. Bien sûr, pas trois rosters différents pour chaque coéquipier, je dis ça bien sûr, mais il y a des tournois qui autorisent les mêmes rosters, c'est extrêmement rare, on en parlera peut-être bientôt. Mode résurrection, comme tous les tournois, hein, je crois que j'ai jamais vu de tournoi en mode classique, ligue où on prend les pecs. Et au niveau du budget, donc un budget resserré, 1 100 000. On n'en voit plus beaucoup des tournois avec un budget resserré comme ça. Non, c'est rare. Même budget pour toutes les équipes. On reviendra sur les différents tiers. Et pour les compétences, donc vous voyez qu'il y a 3,5 tiers. Parce qu'on aime bien les demi-tiers. Et donc, ce qui va changer, c'est finalement l'accès ici aux compétences. Plus on est d'un tiers élevé, plus on a d'argent. Et l'argent peut être dépensé. Pour une compétence simple, c'est 20 000. Une compétence secondaire, c'est 30 000. On peut stacker une compétence principale sur une autre compétence principale au prix d'une secondaire. Donc ça coûte 50 000 pour deux compétences. Et le stacking est assez important. Et une compétence dorée, on en reparlera plus tard. Bah,
Excusez-moi. Alors, laitière, c'est sûr que c'est assez. Il n'y a pas vraiment de différence sur les différents tiers. Là, ça se joue sur 20 000, 20 000 ou 10 000 pièces d'or. Donc, c'est l'équivalent d'une compétence. C'est pas beaucoup, une compétence de plus ou de moins entre deux tiers pour un même budget. Ça fait pas, ça rend pas forcément un tiers beaucoup plus intéressant qu'un autre. Le Ouais, tiers 3 en petit peu. Ouais. Et surtout le tiers 1-5, ça transforme une principale en secondaire. c'est ça. C'est Sachant que pas énorme. si vous prenez, c'est pareil, si vous prenez une secondaire dans une des dans un des autres tiers, soit faut prendre un stacking pour la rentabiliser, soit faut prendre une deuxième secondaire. Surtout. Le seul point un peu particulier donc dans ces choses de compétences, c'est qu'on peut mettre autant de secondaires qu'on veut. Et oui. Et on peut en abuser. Si Et besoin, on va en on abuser va en plus tard dans abuser. l'émission. Mais oui, je rappelle aussi pour les tiers 1, là, 100 000, ça fait penser à 5 compétences principales, mais ça peut être 3 plus 1. Donc 3 principales et une secondaire. Par rapport à une 1-5, ce serait 4 plus 1. Donc là Sachant aussi, l'écart est d'une compétence seulement. Et quand on a une double intéressante en tiers 1, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une quatrième compétence? Ça dépend. Au prix d'un tiers 1-5 qui est peut-être moins bon qu'un Ouais. tiers 1. C'est Les tiers 1 compliqué. vont être très avantagés parce que généralement c'est les tiers qui ont déjà beaucoup de compétences de base. Et là il va y avoir très peu de compétences puisque bah, 100K c'est 5 simples à peu près, donc c'est pas beaucoup dans un tournoi. Et au maximum on voit le tier 3 qui peut avoir 7 simples, ce qui est assez peu pour un tier 3 qui va être un tier principalement minus. Donc Absolument. peu de variations, peu de compétences qui général et un prix de budget de départ qui est à 110, ce qui favorise généralement les rosters qui ont beaucoup de compétences de départ avec des joueurs pas chers. Comme les nains, les orques, les elfes sylvains. Ouais, ils ont augmenté quand même hein, maintenant, les elfes sylvains. C'est peut-être Un un peu million plus. d'elfes, Sylvain, ça pique un peu. Ou alors, j'ai peu de Ouais, c'est ça. receveurs, mais c'est toujours envisageable. Toujours envisageable. Mais genre, les KO, Khemri, ceux qui n'ont pas de compte de base, Ouais, c'est plus difficile. ça. Plus difficile, ouais. Sachant que le stacking, c'est bien, mais ça coûte cher quand même. Hein. Donc ça fait deux comptes sur un même joueur, là où on va pas avoir beaucoup de joueurs. Si on prend Ouais. tier 1.5, c'est un joueur stacké et trois joueurs à côté avec des comps. Alors c'est très bien. On va revenir sur le stacking parce que en fait c'est cher pour pas grand-chose à travers un petit phénomène de règles supplémentaires qu'on verra plus tard. On en reparlera juste après. Donc un budget resserré, peu de compétences, la possibilité d'aller chercher plein de doubles si on veut. Hein, le mort-vivant, il peut jouer avec ses deux momies blocs. C'est quand même pas mal, hein. Deux momies blocs et deux gardes. Et une Goulgarde, s'il a envie. Ah bah, Juste ouais, pour non, dire, j'ai c'est trois doubles vraiment. en MV. Ouais, C'est c'est juste vraiment, pour dire, j'ai jouer trois trois doubles en doubles. MV et je vous défonce. Voilà. Ouais, bon. Sinon, il peut mettre deux gardes sur les deux revenants et deux momies gardes plus. Deux momies blocs plus deux gardes autour. Ça commence à faire déjà assez peur. Hein. Ouais, Bon, il effectivement. n'y a pas de beaucoup de choix, hein, mais par contre, c'est vrai qu'il y a deux monstres à jouer. Donc ça, c'est Voilà, mais bon. Oui. les règles un peu simples. On va avancer. Pour aller un peu sur les coups de pouce. Donc les coups de pouce qui sont assez classiques pour la première partie des coups de pouce que vous avez sous les yeux. Ouais, donc on a donc le match météo qu'on ne Qu'on a verra jamais jamais. vu. Qu'on a Non, jamais et vu. que j'avais dit une fois qu'il était bien en Amazon, mais en fait il y a mieux. Enfin, non, c'est Amazon, j'ai déjà peu joué, donc voilà. Les tonneaux classiques, le pot de vin classique, 50 000 pour ceux qui peuvent se permettre, donc les bribery and corruption. L'arbitre partial, eh ben un tournoi qui l'autorise, c'est pas non plus fréquent, donc C'est de moins en moins c'est fréquent, même si ça moins devrait être fréquent. obligatoire. C'est toi le snot. L'assistant funéraire, donc l'ancien Igor, le médecin de la. Non, pardon. Non. Oui, si, c'est Mais si, ça. c'est ça. Le médecin de la peste, c'est le C'est nouveau. le Igor pour les Nurgles. Le Igor pour Nurgle. Le. Ouais, C'est ça, hein? Apo pour. L'Apo Nurgle. Ouais, Igor Apo. Enfin, Je sais il plus. soigne les KO. Il soigne les Ouais. KO aussi. Et soigne KO. Ok. Ouais. Le Riotus Rookie, donc débutant déchaîné pour jouer Slotling. Et le Cuistot pour jouer Halfling. Ouais, donc du très classique, on va pas revenir dessus. Ah, il manque un truc quand même. Il manque. Où sont les star players? Ouais, parce qu'il y a Ah accès aux star ah! players. C'est la deuxième Et partie ouais. des coups de pouce. Mais on va voir, les star players sont pas accessibles à tout le monde. C'est accessible uniquement en tier 3. Et seulement certains star players, vous les voyez sous vos yeux. Les tiers 3, donc c'est les cartes ici, c'est qu'on n'a pas mis les tiers, la liste des tiers, mais On va y ça arriver juste correspond après. Hein. là, donc on monte les tiers 3, Halfling, Goblin, Snotling et Ogre. Ogre.
Et avec la liste des star players. Donc si on joue un star player, c'est tier 1-5. Si on en joue deux, ça C'est reste tier tier 1-5. 1-5. Donc c'est plus Ok. intéressant souvent hein, de jouer les Oh, vieux star players, oui. quitte à jouer, surtout que c'est des équipes qui sont pas très chères, où on peut mettre assez facilement deux star players. Ouais. Parce que ça fait passer de 140 de création d'équipe pour les compétences à 110. On perd 30, donc c'est-à-dire une double, pour pouvoir avoir des star players qui ont généralement des compétences de C'est ça. stacking, voire des doubles. En ce qui concerne par exemple le bomber, Dribble Snot, qui a une double de base, puisque le bomber gobelin de base, il n'a pas accès aux compétences de passe, que sur... Alors c'est pas une double. Tu vas me reprendre. Une secondaire, oui, mais Non, ouais, c'est une secondaire. Et c'est. il a précision bomber dribble snot. C'est comme si en fait vous aviez pris le joueur avec la compétence secondaire directement accessible. Et accessoirement, passe 3+, une règle spéciale qui fait que ça pète quand il veut. Ouais, c'est ça, Accessoirement. c'est Mais mieux. Hein. bon, C'est bien sûr que c'est mieux. c'est 3 fois rien, hein. Ça c'est. Donc finalement, la compétence, enfin les 30 000 d'écart, ils sont très vite fongibles dans l'équipe et ça vaut le coup hein, pour ces rosters. On peut jouer Snotlings sans champion. Je pense que Gobelin sans champion, ça c'est quand même un peu dommage. Parce que là, on a de Ouais, quoi c'est. mettre. Lifelink sans champion, c'est pour le pur charisme. Hein. Ça dépend de ce que vous Ça voulez peut se avoir comme faire, si on roster, fait ça se plein fait. de Hein. relances, ça peut se faire, mais. C'est beaucoup moins bon qu'avec les champions. Et Ogre aussi. Ogre sans champion. Les champions sont pas non plus Ogre, ça se joue beaucoup de sans chair de champion. base. Ogre, Déjà, donc ouais. que ça ne joue pas Ogre, alors avec champion, bon, c'est pas. Ouais, parce que dans la liste des champions, donc celui qu'on voit tout le temps, Acorn l'écureuil, qu'on ne voit jamais en tournoi, sauf Il est de peut-être. plus en plus accepté partout. Personne ne Oui, mais joue. on. Oui, c'est ça, personne ne le joue, c'est ça que je veux dire. Même, je crois que même au Bresbol, il ne le joue pas, donc. C'est dire. C'est pour dire. Dans ceux qui reviennent, Barric qui est toujours nul à chier. Ouais, il est pas bon. Black Gobo qui est cher. Donc là, ah non, 1 100 000, il va être cher quand même. Il est Ça va être dur cher et il fait. Bah, il vaut pas son prix hein, parce qu'il à. a un bomber, mais bon, il lance pas si bien que ça. Il peut faire une deuxième agression par tour, mais il peut se faire virer aussi. On perd tout le monde. Le poignard, quand on met son coup de poignard, on est à côté, donc on bouge plus. Bon. Ouais, c'est pas top top. Non. Pour l'instant, personne n'a fait une belle compo avec Black Gobo. Hein. Carla, elle peut faire le taf Carla éventuellement. intéressante. La biquette en halfling, bah, essentiel. Ouais. Grombrindal, Pourquoi pas? il est peut-être un poil chien. Ah non, en minus, il peut passer, je pense. Ouais. Ah non, il passe un hein, 210 comme Carla, même prix. Ça. Grim, c'est une blague. Grimm, ouais, enfin, si vous voulez le jouer, si vous aimez beaucoup Grimm, vous pouvez le jouer. Hein. je vais On le n'a rien ranger. contre lui, mais c'est vrai qu'en termes de stats pour son prix, c'est cher. Vous le rangez dans l'armoire avec Dolphar et c'est très bien, quoi. Et qui manque Bomber, bah oui. Boomer, d'ailleurs, c'est pas Bomber, c'est Boomer. Ouais, c'est Boomer de Dribble Snot. C'est Ouais, le c'est bomber. Boomer. Mais bon, c'est dont on va pas parler. Fungus qui est très bien en C'est le Gobelin. En poulet. Snot, il est intéressant, Fungus? Bah, en fait, tu peux le prendre à partir du moment où tu as beaucoup de braille plus l'arbitre partial. Tu as juste un truc supplémentaire à mettre. Ça te fait une force 7 plus tes 4 forces 5. Ouais, éventuellement, ok. Tu peux jouer un pur physique et puis voilà. Hein. D'accord, Après, ok. ça veut dire que si tu le prends, il est pas très cher. 80 000. Il se place bien. Oui, 80 000, oui, effectivement. Et il nous reste Glart. Glartouille. Glart qui est sympa, mais alors en minus, j'ai du mal à voir son intérêt quand même. Il C'est est bien, pas. ça fait un force 4, stabilité, il a une naine griffe pour taper les gros. Alors là, t'as plus Il est besoin bien. de châtaigne quand tu joues minus, t'as plus besoin de faire du dégât, t'as pas besoin d'un force 4 griffe Bon, qui fait des. il sert. Ouais, je te prends. Je te prends. Et Voilà, donc, donc voilà. effectivement, il manque bah, les grosses stars, Morgue, Griff, Hackflemme. Elles sont pas là. Donc, ils sont pas là. Donc, il y Donc, a. tournoi de seconde zone, hein, si les grandes stars ne s'y C'est déplacent ça, pas, hein, je rappelle. c'est la Ligue 2. Hein. On fait avec les moyens du bord, c'est la Ligue 2. Sachant Et. que les ogres ont le droit à Grack et Crumbleberry, Ah oui, je l'oubliais, qui lui. sont pas géniaux non plus. Hein. Bah, c'est Donc pour avoir c'est. cet ogre, pour jouer cet ogre. Ouais. Super. Diprout n'est pas là non plus tout à fait, et il est très très plébiscité en ce moment. Ah oui, Racine du Tronc, ouais, Racine il du n'est Tronc, pas là. avec sa châtaigne plus 2. Non, c'est fait peur, sa châtaigne, donc c'est pour ça que bah, on le voit pas, probablement, je ne sais pas. Sûrement. Oui. Donc voilà pour en fait les star players accessibles. Je vous conseille deux star players quand vous pouvez les mettre sur Halfling, Gobelin, Snot assez facilement. Ogre,
faut bien réfléchir à ce que vous faites quand vous créez le roster ogre pour mettre des stars, parce que ça a coûté cher, hein, 110, il n'y a pas beaucoup d'argent déjà pour rentrer tout le monde, et donc vous allez sûrement jouer en NRA, faut que ça vaille le coup. Et on se retrouve avec, je crois, les règles spéciales du tournoi. Ah oui. Et après, on parlera des tiers avec deux règles spéciales qui sont très importantes pour pouvoir choisir avec qui on joue et les rosters avec lesquels on va jouer. La première compétence, c'est qu'on va retirer des compétences. Enfin, le premier, pardon, élément spécifique, c'est qu'on retire des compétences. Alors, qui peut retirer les compétences? En fait, en cas de match entre des tiers différents, on retire les points de compétences par un point de tiers de différence complet. Par exemple, j'ai pas remis tous les exemples là, on va vous le faire à l'oral. Si vous êtes un tiers 2 et que vous jouez contre un tiers 1, vous pouvez choisir de retirer une des compétences au choix à ce tiers 1. Qui peut être pas mal, surtout quand on n'a que 5 compétences, quand on est Mmh. tier 1. C'est Ça peut ça. être vite pénible. Ça peut être vite pénible. Mais Mais, vas-y. parmi ces compétences, il y en a une qui est ce qu'on appelle dorée, et qui a rien à voir avec le chanteur, c'est-à-dire qu'on peut la protéger et on ne peut pas l'enlever. Donc on Par peut. exemple, Ouais. la lutte, le tac qu'on veut absolument pas perdre, et ben La momie bloc. voilà. Le La rat momie bloc. ogre bleu. Le rat ogre juggernaut ou Exactement. Ou blocage. le chef quand on joue NRA. Ouais. Donc on peut protéger une compétence. C'est ça. Sachant que ça marche que pour des tiers entiers de différence. C'est-à-dire que le tiers 1,5, il retire pas de compétence au tiers 1. Et on lui retire pas de compétence au tiers 2. Le tiers 3, par contre, il va retirer une compétence au tiers 2 et 1,5 et deux compétences au tiers 1. Et Ça peut être là, l'intérêt de jouer Snotling, ouais. Face à Snotling l'UMD. Ouais. sans champion, et on a plus de compétences, en fait de différence, puisqu'on a peu de compétences à la base, mais on va retirer les compétences en plus à l'adversaire. Le Yes. problème étant que si la compétence dorée. Elle tacle, bon, bah, on retire des gardes quand on est Snotling. Bon, des gardes en moins, c'est pas ça qui fait une grosse différence de jeu. Non, c'est sûr. Mais généralement, sur les 5 compétences prises, c'est souvent des trucs qui servent. Tu n'auras Bon. jamais un tacle plongeant ou un, j'allais dire un sournois, mais un 5 Non, un compétences. tacle. Ouais, ou un tac, ouais. Donc c'est. Non, ça peut quand même faire chier. Ou même un lézard qui perd 2 blocs sur 5. Ah, le lézard, ouais, deux blocs sur simple. Et il Ouais, va se retrouver c'est face à des chariots et des ogres, et comme il y aura des compétences doubles, sûrement deux blocs aussi ou trois blocs à mettre. Donc ouais. ça peut faire la différence. C'est ça. Je vous ai parlé du stacking, je vous ai dit que je vous en reparlerai de ce stacking. Le problème du stacking, donc ça coûte cher, et donc là, avec ce système-là, on peut retirer des compétences du stacking, puisque c'est pas précisé. Ça veut dire que si vous prenez le tac châtaigne, et qu'en face, il y a un tir minus sans champion, et ben il peut vous retirer. Soit le tacle, soit le châtaigne, soit les deux. D'accord, j'ai Si pas c'est vu ce pareil. point de vue, mais Donc oui. si vous mettez votre tac châtaigne avec le tacle en doré, eh ben il peut retirer la châtaigne. Donc ça, c'est une Ok. chose. Je Salut, rappelle Nob. aussi que quand les minus prennent des champions, ils passent tiers 1,5. Donc ils n'ont plus ces bénéfices de pouvoir enlever les compétences à d'autres tiers. Mais ils Bah, se font retirer des tiers que par d'autres minus. ce sera effectivement un poil fort. Avoir un champion qui fait déjà le boulot et en plus en retirer, bon. Ça serait trop fort. Ouais, donc c'est pas idiot de les passer en 1-5. Ouais. Mmh. Donc, pour reprendre hein, les champions, quand on prend un champion, on perd une double, c'est pas grave ça, mais on va perdre aussi la possibilité de retirer des compétences aux adversaires. Mais paradoxalement, quand on joue Minus avec champion, qu'on affronte un Minus sans champion, on peut se faire perdre une comp. Alors qu'on aime jouer pas mal de doubles. Ça peut se retourner contre nous parce que. Ouais, après les champions, ils ont des compétences utiles. Hein. Ouais, mais généralement, le peu de compétences qu'on prend en minus avec champion, c'est souvent soit une double, soit un chef, Ouais, mais soit quelque chose, et ça peut sauter on une peut petite. dorer. Il faut penser à dorer contre du minus parce qu'il n'y a que le minus qui peut vous enlever une comp. Alors que la comp dorée, elle est en début de tournoi. Elle devient pas dorée à chaque match. Par exemple, je sais que je joue contre un gobelin, je fais, ah bah, je vais dorer le tac. Non, Comme non. ça, il ne volera pas. Il est C'est doré doré à la construction de deck. dans le roster. De roster de deck. Mon Ah passé de ouais. carte me rattrape. Salut Nogre, bienvenue. Bienvenue. Ouais. Et donc il y a un deuxième élément spécifique qui est la relance du capitaine. Tu nous expliques comment ça marche?
Oui, alors dans une équipe de 3, donc quand on est 3 par équipe, donc 3 ressorts différents, il y a ce qu'on appelle un capitaine. Donc c'est pas celui qui amène les bières, même si des fois c'est le cas. Là, ça va être un capitaine, il aura un petit cadeau, parce que capitaine, des fois, d'une équipe de bras cassés, c'est compliqué. Donc, pour cela, il gagne une relance de capitaine à chaque ronde. La relance de Une relance capitaine gratuite. est une relance gratuite, oui. Donc, elle est pour toute l'équipe, mais c'est lui qui la possède. C'est le capitaine qui la possède. C'est-à-dire que quand un joueur a besoin de la relance, c'est une relance pour le match. C'est-à-dire que si vous l'utilisez en première, vous pouvez pas l'utiliser en deuxième. C'est pas, ça se réinitialise pas à chaque mi-temps. Pas comme une vraie relance d'équipe. Oui, c'est à Donc, part. si le capitaine veut l'utiliser, il l'utilise. C'est voilà. Si un de ses coéquipiers décide de l'utiliser, il doit demander l'autorisation. Donc le capitaine généralement, ouais, bon, on va dire qu'il est Généralement, il dit d'accord. non, parce qu'on les connaît, Ouais, les capitaines. mais puis après 2-3 tartes dans la gueule, il dit ok, vas-y, prends-la. Quand il Non, veut mais il la suffit de lui prendre, il payer doit. des bières, hein, puis généralement, ça se passe Oui, ça se passe mieux comme ça. Bon, ça dépend bien. si tout le monde work, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais et si donc cette relance, il accepte de la prêter à un collègue, ce collègue, il faut qu'il apprenne à servir cette relance. Donc il faut qu'il fasse un 3+ pour cela. Et s'il rate, eh ben, la relance est redonnée au capitaine, l'air de dire toi, tu n'es pas encore prêt. Et la relance donc n'est pas perdue, mais n'est pas utilisée. Il peut utiliser une autre relance à la place, une relance de l'équipe, évidemment. Ça ne met pas fin à l'action, ça ne met pas de temps donné. Il peut pas réutiliser, je crois, une relance sur la relance de capitaine. Non, mais je veux dire, Moi qui l'ai essayé. s'il a pas eu le 3+, il peut utiliser une relance d'équipe. Ah oui? Ok. Bah, c'est comme ça. Pas nécessaire si utiliser une relance pour lui. Si, si, pour moi, c'est comme ça, c'était comme Ok. ça avant. À moins que ça ait Ça, changé, mais alors là, je sais pas. c'est chaud. Sachant qu'il y avait une chose particulière, je l'ai pas mis ici pour plus de lisibilité. Pardon, lisibilité. Ouais, je suis fatigué. Hein. Ah, là, là, là. Donc la lisibilité, c'est le fait que si le joueur a solitaire. On n'est pas obligé de faire la 3+ avant de faire le 4+ du solitaire. On fait que le jet de solitaire et s'il passe, on a le droit d'utiliser la relance. Par contre, s'il rate le jet du solitaire, on perd la relance d'équipe. D'accord. Voilà, donc le petit Ouais. point, on peut l'utiliser sur un solitaire, sachant qu'on utilise forcément la relance. Et sur le jet de solitaire, parce que je dis 4+, mais maintenant ça peut changer. Je crois pas que là, il y ait d'autres solitaires. Bah si, le roule mort, hein, si vous jouez le roule mort par exemple, c'est 5+. Enfin bon, si vous ratez votre jet solitaire, la relance est cramée sans effet, et si vous réussissez, vous avez Et votre relance comme une relance normale. les allures du vieux monde, c'est du 3+, les solitaires. De quoi? Allure du vieux monde, c'est 3+, les Oh solitaires. là là, c'est trop facile. Ouais. Pourquoi tout le monde ne joue pas à l'Alliance du vieux monde? Ouais, franchement, je vous comprends pas, les gars. C'est pas possible. Et certains champions, mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Oh, c'est la D2, hein. Va Ah si, falloir bah, attendre. Gobo, il a 3+. Qui est à 3+? Gobo, je crois, il a 3+. Ouais. Ah, c'est une Black Gobo. superstar. Ouais, allez, prenez-le, jouez-le à fond. Comme ça, vous pouvez utiliser les trucs du capitaine pour le même prix. C'est Ouais, ça. je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ouais. Donc, deux choses particulières à prendre en compte quand on va choisir ses rosters. Le fait que bah, y a ces différences de tiers. Donc, choisissez la bonne compétence dorée. Sachant que si vous êtes tier 2, tier 1,5, il n'y a que les minus en fait, qui peuvent vous retirer une compétence. Si vous jouez tier 2 en vous disant je vais retirer une compétence quand je vais jouer contre le tier 1, ça arrivera de temps en temps, mais il n'y aura pas que des tiers 1. Et une compétence de différence, c'est pas forcément énorme. C'est vrai. Ouais. Bien. J'avais autre chose à Donc en fait, dire, je sais plus. l'avantage de cette relance de capitaine, donc comme on dit, il y a le 3+, mais si vous voulez vraiment l'optimiser, nommez capitaine quelqu'un qui a peu de relance, comme ça il en a une offerte. Qui fait que son équipe devient une équipe à TV 1 100 000, plus une relance. Donc techniquement, si vous jouez Lézard, vous avez une équipe à 1 170 000. Grosso modo, et c'est là où ça peut faire une différence. Donc, même si. Filez pas forcément à votre capitaine d'équipe, Voilà. mais bien à l'équipe qui a besoin à l'intérieur du enfin Ça de peut vos laisser une trois chance au joueur le moins charismatique de devenir capitaine. rosters. Il pourra l'être au moins une fois pour l'équipe. Donc, c'est en ça que cette transe capitaine elle est importante. Parce que le temps de plus pour les autres, c'est pas forcément le mieux, mais voilà. C'est vrai que il y a certaines équipes qui vont être un peu short niveau prix. Je pense par exemple bah, justement Au Lézard, au au Lézard, Sylvain, au Nécro. au Nécro, ouais, ce Nécro, aux Sylvain, Elfes. Et c'est vrai que non. d'avoir cette compétence en plus gratuite, ça peut leur donner un petit bonus pour les jouer. En se La disant relance bah, en plus, finalement on ouais. donne une relance en plus.
Sachant que si vraiment ça se passe bien, on pourra toujours l'utiliser ailleurs. Surtout 1 100 000. 1 150 000 encore, c'est plus un cadeau, mais 1 100 000, ça rend certains rosters jouables. Enfin, plus jouables qu'avant. Plus jouable qu'avant. Ouais. On passe au tiers? Eh ben allez, Eh ben, passons c'est au parti tiers. pour les tiers. Donc, Passons au tiers. on a 3,5 tiers et vous connaissez déjà le tiers 3 puisqu'on les a expliqués ce tiers 3. Déjà, on va revenir dessus. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui viendraient d'arriver ou ceux qui auraient déjà oublié, la composition d'équipe c'est 110. Et en fonction des tiers, on a le droit à une différence d'argent pour constituer, enfin pour les compétences. Donc 100 000 pour le tiers 1, 110 000 pour le tiers 1,5, 120 000 pour le tiers 2, 140 000 pour le tiers 3. Voilà. Et donc du classique hein, pour le tiers 1, Ouais. Amazon, Bas-fond, Elfe noir, Elfe sylvain, Homme lézard, Mort-vivant, Nain, Nain du chaos, Nordique, donc les nouveaux Nordiques, Skaven et Orc. Alors, est-ce que les nouveaux nordiques valent le tier 1? J'ai pas assez de recul. Ouais, on peut pas Honnêtement, je savoir. ne peux Après, les pas savoir. Nordiques étaient entre le tier 1 et le tier 1,5. Ouh. Ouais, oui, Bon, c'est il n'y a pas ça. de raison qu'ils soient pas toujours à cet endroit-là. Il n'y a pas tant changé que ça, le roster. La manière de jouer, je pense, qu'a changé. Après, le roster en lui-même, sur des forces et des faiblesses qui sont à peu près les mêmes. Ça. Donc ouais, du terrain très classique. Qu'est-ce qui pourrait... Non, les Ouais, décros des pourraient équipes. éventuellement avoir la place, Avec beaucoup mais... de compétences, hein, sauf les hommes lézards, mais bon, Oui. ils ont d'autres forces que les C'est compétences ça. de base. Donc c'est ceux avec des compétences natives. Bas-fond peut-être pas, mais bon, bas-fond c'est un peu particulier, ça... Il y a quand même des compétences, hein, il y a beaucoup d'esquives, il y a le bloc, il y a Oui, j'étais... dextérité, il y a passe, il y a. J'étais sur des blocs, moi j'étais sur des comps. Ah, que des blocs, que des blocs. Bah oui, tu sais, je respecte mon avatar, moi. Nain, Nain, Duc, Orc. Quoi, moins de 4 Oui. blocs, ça compte pas. Amazon. Non, Amazon. Voilà. Absolument. Donc, oui, le tier 1 qui est plutôt Ouais, classique. classique. Très Classique. jouable, hein. Ça va Ouais. être très très bon. Hein. Homme lézard, mort-vivant, dans ces compos-là, avec peu de compétences. Après, si vous tombez sur du Halfling ou du Gobelin ou du Snotling qui a pas de champion, vous êtes bien. Hein. On vous enlève deux comps. Bon, vous avez perdu deux gardes ou un bloc, un garde, un truc comme ça. Vous êtes bien, vous stabilisez une compétence, vous pouvez garder le tacle ou garder un double si vous avez pris un double, ce qui m'étonnerait. Et c'est Ouais. parti. Double en tier 1 ici. À Ouais, part je le trouve roue de mort pas. sournois, bon. Ouais. Encore 1 100 000 le roue de mort. C'est cher, hein. C'est cher. Sans pot de Enfin, pas de vin, relance, zéro c'est cher. relance. Ouais. Pas de pot de vin. Ah bah tu le mets en capitaine, donc 0 relance plus Ouais, capitaine. capitaine. Ouais, mais c'est une relance pour le match, c'est pas une relance par mi-temps. Donc Non, c'est pas c'est ça pareil. se time différemment. Ouais. Ensuite, tier 1-5. Donc nous avons les hauts elfes, les nécros, les humains, la noblesse impériale, orques noirs, les rois des tons, des Khemri, Slaan et les lions elfiques. Donc le tier 1-5, il a 110 000 pour les compétences. Donc c'est l'équivalent de 4 primaires, une secondaire. C'est ça ou un stacking? Ou un stacking avec 3 simples. 3 Trois secondaires, 3 primaires. compétences et deux compétences sur un même joueur. Primaire. Bon. Alors éventuellement, les nécros ou la noblesse pourraient passer tier 1. Mais Ouais, vu non. l'écart entre 1 et 1-5, ouais, vu l'écart entre 1 et 1-5, Ah, ça va être dur, hein. Et ou elfe, là, l'union elfique, je préfère Sylvain ou elfe noir. la secondaire en nécro et noblesse avec 4 comps, honnêtement, je vais pas la mettre, moi. Elle va pas m'aider plus. Je serai à 6-7 comps, je dis pas, et encore, c'est pas des rosters qui s'y prêtent vraiment. Eux, ils y gagnent pas beaucoup à tier 1-5. Non. C'est juste qu'ils perdent une comp de moins face à un tier 3. Le tier 2, ils Le perdent tiers rien. 2. Oui, Ils perdent tier 2. rien, donc ils perdent pas une comp face à un tiers 2. Mais en Ils fait, perdent qu'une comp face à un tiers 3. et comme ils n'ont pas beaucoup de compétences. Ah oui, et on n'a pas dit, les compétences aléatoires ne sont pas autorisées. Sinon, Tout à on fait. s'en serait donné à cœur joie, hein, avec si peu de thunes. Ouais. Donc, ouais, bah pour le reste, orque noir, roi des tombes, il n'y a pas beaucoup de compétences de base. Donc, avec 5 compétences, C'est c'est pas juste un roi des simple. tombes, ça passe. Après, c'est 110. Les autres, ils vont pas avoir C'est. grand-chose. 110 en roi Ouais. des tombes, on a déjà un bon roster. Un peu. Ça fait Slaan. un bloc. C'est ça. Ou un sournois, hein, si vous préférez jouer un peu la Oelf. méta Ouais. avec le roi des Oelf, même tombes. si c'est meilleur que Là, ça va maintenant, être. 5 compétences, c'est pas beaucoup. Non, c'est trop peu. Elfe Beaucoup Pro, trop peu. pareil. Ouais. Union Il elfique, 5 compétences. Vous pouvez n'y a pas jouer si vous aimez les Eldril. unions elfiques, hein, mais c'est très peu. Ouais. Mais vous pouvez pas jouer Eldril comme il n'est pas Non. autorisé, donc c'est même pas intéressant. Et Slaan, 5 compétences, c'est pas non plus énorme. Non.
Les humains, ça peut passer en stacking avec trois gardes. Bon, Ou pourquoi l'ogre pas. bloc. Ou le gros bloc. Après, c'est pas non plus par rapport à une Amazon ou même un orc. Hein. Là, pour le coup, humain, orc, Ouais. les orques, c'est pas mal. Après, Salut, les si je humains filme. ont aussi des choses en plus. Hein. Ces humains, je le dis tout le temps, par exemple, le Halfling qui ont même changé des choses dans cette nouvelle version. Ils sont un peu meilleurs qu'avant. Ouais. Salut Fishpin. Sibjin. Bjin. Si, ah oui, c'est Je te vois Bjin, moi. passer souvent sur France Football, mais c'est vrai que je ne lis pas attentivement ton pseudo. Bjin. J'ai vu qu'il y avait des lettres, et c'est à peu près Ouais. ça. Bienvenue. Ensuite, nous Le avons tier le tier 2. 2, qui Alliance du consiste Vieux Monde. vas-y. Élu du Chaos. Khorne. Nurgle. Renégat du Chaos. Et Vampire. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, Pourquoi pas. ouais. Je vais Le problème, dire, c'est que bon, c'est des c'est rosters qui n'ont pas pas. de compétences natives, Ouais, c'est ça. pas de bloc, pas d'esquive naturelle, enfin ou très peu. Bon, Alliance, on va dire, c'est un peu différent. C'est Alliance différent. est peut-être mieux que les humains. Ils gagnent une compétence, ils sont sûrs qu'on leur retire pas de tiers. Enfin, s'ils perdent un tiers Ils perdent un tiers comme les autres. comme les autres, mais elle enlève un Mais tiers au tiers 1. ouais, oui. Je sais pas. Après, faut savoir jouer Alliance, c'est de l'humain, mais en moins rapide, avec un peu plus d'armure éventuellement, et un peu moins solide Un homme avec plus arbre. de... et un homme arbre. Alors, ces derniers temps, notamment à la Vorace, on a vu des alliances qui jouaient ogre. Moi, j'ai quand même un peu du mal à comprendre ce choix, parce que Et un si homme t'as arbre. joué Alliance... Ah non, il jouait pas les deux, non, il jouait l'ogre à la place de l'homme Oui. arbre. Parce que honnêtement, jouer ogre, on joue en humain, c'est plus fort. Enfin, c'est tu gagnes pas beaucoup plus à jouer Alliance avec un ogre qu'à jouer humain. Alors qu'Alliance avec un homme arbre, c'est quand même différent. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est quand même beaucoup plus fort. Oui, Le 6-2, le 6-2 mais... force, il fait la différence Ouais. pour prendre de la place. C'est ça, c'est... Pour moi, jouer Alliance, si Bloquer c'est du pour feu. jouer l'ogre, bah, rester sur humain. Je vois pas vraiment ce que ça apporte ce roster si on ne profite pas de l'homme arbre. Surtout le nouveau roster, parce que l'ancien, il y avait quand même des Oui, tacs l'ancien, bleu oui, l'ancien. châtaigne, il y avait quand même tacs Ah, blocage de base, beaucoup de blocs, l'ancien, beaucoup de il choses, n'y c'était avait pas bien. l'homme arbre, l'ancien. L'ancien, il n'y avait pas l'homme arbre, donc Mais il n'y avait que si, l'ogre. il y avait pas l'homme arbre dans l'ancien, Ah non, il n'y avait que non? l'ogre. Et que l'ogre. Non, dans l'ancien, on pouvait pas choisir son big guy. Ok. T'avais pas le choix comme t'as pour le chaos maintenant. Mais ouais, pas avec les nouveaux, on perd quand même beaucoup de blocs. Je trouve que Ouais. l'homme arbre, il permet une certaine stabilité de l'espace. Après, l'ogre permet d'avoir du mouvement pour avancer. Je suis Comme d'accord. toujours, hein, les gens seront pas d'accord sur ce qui est mieux sur ce Oui. roster. Mais je suis d'accord Chaos, avec toi, chaos. François. Ciao. Chaos, les chaos, les cornes, je pense que c'est juste assez. Juste assez pour être Ouais. jouable. C'est Ça va être ça. difficile de pouvoir faire du gros compétitif, on va dire. Face à un joueur à Après, peu près du même niveau en face je pense sur que les tiers. Nurgle et Renégat, en étant capitaine, ça peut être intéressant. On économise les 70 000 de la relance avec une relance. Nurgle, vraiment? J'ai pas Bah, beaucoup de Nurgle, comptes, hein. on peut jouer peut-être à 13 avec une relance plus la relance de relance plus la relance de Une capitaine. relance, ouais. Un peu, ou alors on joue à 12 mais avec 3 biquettes, 3 pestiflores. Il en faut plus de toute façon maintenant, c'est les seuls qui peuvent porter la balle. Oui, c'est ça. Et à 6 compétences, non, je pense qu'il y a moyen de faire des choses qui peuvent faire chier. Nurgle, mine de rien. Je pense que le corne. Après, on est à 110. Mais Corne, le ouais. corne sans la bête. Sans la On est bête, bien. du coup, t'es à 6 comptes, ouais. Ouais, 6 c'est un comptes. sacré classique. C'est Ça un reste sacré assez classique. stable. Ouais. Et t'as un double. Tu peux choisir un peu ce que tu veux sur Ça. ton double. Donc, moi, je pense que Ou c'est pas. des. Et puis, Nurgle, enlever des comptes en face, ça peut aussi faire des choses. Non, je pense que profiter de l'arrêt du capitaine pour ces rosters, ça peut se faire, parce qu'ils ont des relances chères. Même l'Alliance, il a 70 000. Là, ça peut être intéressant. Je me souviens ce que je voulais dire. J'avais oublié de dire. Donc c'est un roster où on va être 3 contre 3. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que donc ça va être en double ronde suisse. C'est-à-dire que les deux meilleures équipes s'affrontent au fur et à mesure jusqu'aux deux plus faibles. Et à l'intérieur, donc bah des trois joueurs, des trois partenaires, c'est le meilleur de chaque équipe qui s'affronte, puis le deuxième de chaque équipe, donc le troisième de chaque équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de draft.
Non, non. Donc Dra ça, bah c'est c'est... draft, c'est pas très commun. C'est la Vorace qui fait ça et peut-être un autre tournoi. Et Il y en la a eu Comtoise. quelques-uns, il y en a eu La quelques-uns dans la Comtoise, draft. et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus commun le draft. Parce qu'il faut le préparer, faut un rule set intéressant, enfin, faut pas mal de choses. Donc, oui, c'est très souvent des doubles ronds de Suisse partout. Partout. Donc là, voilà, double ronde suisse. Alors, à préciser, c'est important dans les choix des équipes parce qu'il faut être capable de jouer un peu contre tout le monde. Donc Oui. si généralement on se dit bon, les tiers 1 ils vont jouer contre des tiers 1, et puis si on prend un tiers 3 contre leur équipe, il y aura un tiers 3 en face. Bon, je pense pas qu'il faut vraiment penser comme ça non plus. Hein. Je sais pas, parce qu'après le tier 1 qui fait des nuls contre des tiers 2, bah, il se retrouve pas forcément Ouais, c'est premier de son ça va beaucoup équipe, donc il se bouger. retrouve à jouer un tier 2. Donc par équipe de 3, ouais, ça peut switcher pas mal. Ouais, il faut Donc vraiment être, avoir une équipe qui est capable de gérer tout le monde. ouais, faut chercher les victoires, chercher les nuls hein, par Les équipe nuls de en 3, priorité. très Les très nuls en intéressant. priorité. Ouais, par équipe de 3, c'est faut au moins deux équipes qui gagnent. C'est Bah, il faut pas non, non, l'équipe au qui moins une, perd. pardon. Faut personne qui perde dans l'équipe. Oui, c'est Et ça. après, il Une y en a un qui défaite, gagne. c'est Une défaite, c'est très dur à ouais, rattraper parce qu'il faut il deux faut victoires forcément. Donc, ça veut dire beaucoup plus de matchs nuls qu'à 4, 5, 6 joueurs. ça. C'est très très âpre en fait, la triplette. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup parce que ça demande à être un haut niveau sur son roster et de faire très attention parce qu'il ne faut pas perdre le match, quoi. Et dès qu'il y en a un qui perd le match, il met beaucoup de pression sur ses camarades. Qui doivent tous les deux gagner. Ouais. Ouais, qui doivent tous les deux gagner pour gagner la ronde. Bonsoir, Nordicar, salut! Nordicar. Oui, salut, bienvenue. Je t'avais Et le. coupé, on était sur les cornes et les nurgles. Ouais, Quid du Renégat? le Renégat. Tu nous as fait un roster, hein. Je vais pas spoil, mais je spoil quand C'est vrai que j'ai fait un. même. Ah bon? Ouais. Oui, ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a des choses. Bon, après, il faut aimer jouer ce genre de roster parce que depuis la nouvelle version, on a moins de gardeux, donc c'est plus délicat à jouer. C'est plus frustrant quand on rate des GLD et faut aimer, mais. Mais vous pouvez prendre autant de doubles que vous voulez. C'est ça peut-être qui peut faire la différence. Si vous Ça voulez qui peut jouer faire la différence, les trois mais. gros blocs, ça fait une différence assez importante en jeu aussi. Trois gros blocs, ouais, mais ça coûte Deux blocs ou trois blocs. Deux blocs 90, assez facilement. 40. Après, il reste que deux compétences simples, Deux primaires. blocs. Deux blocs assez facilement. Le troisième coûte cher. Ouais, c'est ça, c'est le troisième, à 140, ouais, c'est ça. Mais dis donc, tu serais pas en train de spoiler ce que je t'ai envoyé? Je sais pas. Je On sais va pas, moi voir non par la suite. plus. J'ai oublié, allez. Et Et pour finir, les vampires. les Tier 2. vampires, oui, les vampires, 1 million 100, je sais pas combien on casse de vampires. Mais moi honnêtement, vampire, pour moi les deux formats pour lesquels les vampires peuvent être intéressants, c'est si on peut faire beaucoup de stacking gratuit pour avoir des vampires avec deux compétences chacun, ou faire du full pro. Le full pro, ça peut être pas mal. Il faut jouer pas mal de relances parce que en termes de stats, quand on essaie juste de bouger ou d'hypnotiser avec un vampire, donc sans faire de blitz, donc c'est un 4+. Avec la relance de pro à 3+, niveau stats, ça revient à faire un 3+ de manière générale. Donc 3+ juste pour bouger, c'est pas mal. Et puis même si on arrive à réussir notre 4+, il nous reste le pro pour relancer l'hypnose qui rate. Donc en fait, mine de rien, ça stabilise pas mal. Donc ça peut se faire en full pro. Et puis quitte à enlever une comp en face, ça peut se faire. Bon, De toute façon, faut savoir les ce qu'on prend en compétences pire. en vampire, on les retire avec le regard hypnotique, si j'ai bien Oui, compris. en plus, oui, voilà. C'est C'est juste ça. une Donc, châtaigne de moins, un bloc de moins, un truc comme ouais. ça. Ah, mais Ah, purée. ça peut contrer de manière assez efficace. Mais bon, il faut les jouer un peu. Faut le tester. Après, tier 2, c'est juste, hein, quand même, pour ce roster, sachant que ça va retirer une compétence au tier 1. Et ça fait toujours la surprise, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de jouer contre les vampires en général, et les nouveaux vampires encore moins. Bah oui, tout à fait. Donc pourquoi pas, si vous avez envie, sachant que ça sera pas l'équipe la plus stabilisée du monde. Hein. Comme on disait, Avec pro, ça peut oui, c'est plus ça stabilisé. glisse pas mal, mais oui, c'est pas du Ouais, MV, hein, c'est c'est pas pas du aussi. MV. Non, C'est pas de l'or, rien c'est n'est pas du du MV. MV, rien n'est du MV. Ouais. De toute façon, l'orc, moi, je trouve, est pas mal. Hein. Il faut faire au moins des nuls. Il y a peu de comp. On te Ouais. retire une comp, on te retire un bloc ou un garde. Bon, c'est pas grave. Tu peux faire le Là, truc, chacun des c'est pas choses. mal. Hein. D'accord. Salut à toi, Ganon Golf.
Et bah justement, tu dis Go Goblins, et bah on va parler des gobelins, puisqu'on va repasser dans le tier 3. Alors Dans le tier 3. on les a un petit peu déjà abordés sous l'aspect uniquement des champions. Je le trouve très bien ce tier 3 avec des champions. Un peu mon Alors, petit avec tier des champion. champions, ça devient un tiers 5, un tiers Tier 1-5. 1.5. Ah oui, il a changé, c'est Eh vrai qu'on aurait pu le mettre oui. à 2. Donc un faux tier 3, bien sûr, hein, parce Ouais, que un c'est tiers des 3 sans gobelins, hein, champion, ils et se ça devient cachent, tiers ils 5 se avec cachent. champion. Et oui, tout à fait, la chouvias. Tier 1.5 du coup. Tout à fait. Et à 1.5, on se retrouve avec 110 000 de C'est compétences. assez, hein, surtout qu'on a deux champions gobelins en C'est assez. affine, on est Alors, très bien. si on aime jouer plusieurs compétences secondaires, à 110, ça pique un peu. À 110? 140, Ouais. ça passe, parce qu'il nous reste 4 En primaires. fait, ouais, la différence est une secondaire de plus. Donc si vous aimez avoir vos deux gros blocages, Les deux donc troll blocs, ouais. vous gardez en tier 3. Si vous en voulez Ouais. qu'un, passez en tier 1,5. Bon. C'est des choix, c'est discutable. C'est Moi, choix j'aime à bien faire. avoir plusieurs doubles en Minus quand le rule set me le permet, mais bon, voilà. Bon, on a proposé que plusieurs rosters en tier 3. Ouais, Un, il y en aura deux. trois qui ont été proposés. Je vous montre pas le Voilà. roster Snotling classique, mais il fonctionne bien, je l'avais fait. Par contre, full bloc agression, hein, parce qu'on peut pas jouer en contrôle comme j'aime avec des tacles plongeants, il n'y a pas assez de compte pour mettre les blocs plus les tacles plongeants. Mais en mode violent, je te défonce la gueule, ça passe bien. Et je pense qu'il y a moyen aussi de mettre des champions en Snotling, j'ai pas regardé. Ça fait Manque de trois temps. bombers, c'est peut-être beaucoup, mais oui, Non, manque de temps. non, t'es bomber, tu gardes ton bomber Snot, t'as pas besoin de Ouais, t'as donner pas le besoin de Snot. champion. Ok. Non, non. Par contre, tu peux mettre Lunet, tu peux mettre. Ouais. Fungus, tu veux dire. Lunet, Fungus, il est oui. Tu peux pas. mettre Fungus. Ouais. Pour avoir plus de force. Tu peux mettre un Glart pour sécuriser ton jeu. C'est-à-dire que t'as moins de choses à côté. Oh bon, les Snotlings, ça passe. Yes. Eh Bah, je te propose ben, voilà. d'aller. Ouais, tir récapitulatif. Donc, un gros tir 1 qui va être quand même. C'est, je trouve le meilleur. Hein. Avec des choses bien stables. Tier 1.5, je trouve moins intéressant. Hop, Moins il n'y a intéressant. pas moins Le tier intéressant, ouais. 2 qui est pas mal au final. Plus on y réfléchit, mieux c'est. Ouais. Je Mais trouve un tier 2. Mais faut savoir jouer ce genre de roster. Les ouais, c'est rosters ça. avec pas grand-chose de base. Faut connaître la tempo, faut savoir un peu le jouer. C'est. Ouais, c'est pour les tester. Ça va pas être le tournoi pour les tester. Mais sinon, il y a moyen de pouvoir faire les nuls plus. Avec du corn, avec du chaos, avec deux oies, je pense. T'as dû Mais les bon. dire, il commence à balancer son friel partout. Salut, C'est de la salut. merde! Hello! MV doublette de momie bloc à vomir. Ah oui, Ouais. on en a Ouais. parlé, hein. Le Double bloc bloc de sur garde, ouais, ça le va bloc être de garde. le place to be, quoi. Après, si vous jouez tier 3, ça fait plus qu'un bloc, un garde. Oui, parce que l'autre bloc sera en gold, Ouais, forcément. il y en a. Ouais, bah, je pense qu'ils vont mettre gold sur En le bloc, gold. quoi. Ou sinon, t'enlèves les deux gardes, puis tu dis vas-y, joue. Joue Après, avec devant du bloc. tes 5 de force bloc, moi j'en ai 3, ou j'en ai 4, ou j'en ai Ouais, 2 c'est. aussi. Le mobile Ça se bloc, fait, hein. c'est une qui blitz, c'est une qui colle, donc en fait, c'est peut-être pas non plus super intéressant. Ok, Blitz, c'est une qui colle. C'est une de trop, c'est ça? Ouais, je sais pas, parce Et que bah, tu c'est un peux pas bloc de faire trop, deux par décomptes contre. non plus. Donc, Hein. le retrait de compte Et est choisi par évidemment l'adversaire. Oui, pas oui. l'adversaire, ouais. Mais il y Oui, en a une qu'on verrouille en début de tournoi, où on dit c'est là, tu touches pas. c'est la dorée. C'est à moi, t'es couché. Voilà. Il y a un joueur pro qui perd pas sa compétence, le reste, hein, c'est la D2. Ils savent pas trop C'est faire. ça, il y Ils a se laissent Zlatan et. influencer. Il y a Zlatan et les autres, quoi. Tu touches pas Zlatan, mais le reste, tu fais ce que tu veux. La fameuse dorée, eh La oui. fameuse dorée. Et donc un tier 3 qui est pas mal. Après, ça reste du gobelin, des halves, des ogres et des snotlings, c'est-à-dire que ça reste instable. Hein. Très clairement. Je pense qu'il y a des bonnes compos à faire, mais bah, il y aura toujours des matchs où il y a tout qui va mal se passer. Et des matchs où il y a tout qui va bien se passer. Qu'importe ce que vous aurez choisi. Parce que bah ça reste du minus. On est parti pour les différentes équipes? Eh ben allez, c'est Allez. parti. On va jouer à combien t'as fait de fautes? Ah ouais, c'est parti. C'est parti. Je Attendez, vous suis êtes pas trop. prêts? Ah, c'est parti. Maintenant, j'ai le stress. En ogre, On il y a commence moyen de par rentrer pas mal de Escarrel. trucs sympas. Eh ben, tu vas voir. Tu vas voir, c'est les dires, je spoil pas, mais tu vas voir. On va parler des ogres. Hein. Si vous voulez nous proposer des rollsets, hein, n'hésitez pas dans le chat. Des rosters, pas des rulesets. Pardon, des rosters. N'hésitez Faut pas. que tu dormes, faut que tu Ouais, faut dormes, que je dorme. Charlie. Ouais, je sais pas quand. Je dormirai pendant le rendez-vous, je pense. Ouais. Donc. Ara Ogre, 2 Blitzer, 4 Gutter, des Lineman, 2 relances, 3 assistants coach pour 110, avec un Blitzer châtaigne en doré, 2 arrachés le ballon et 2 buts.
Et il y a une erreur, le gutter passe prise sûre. Ah Yes! oui, ouais, tu vois, j'ai Yes! changé. Première erreur. Elle était grosse celle-là en plus, hein, Ah putain. ouais, D'ailleurs, j'allais dire pourquoi tu prends pas de passeur, tu vois à quel point ouais. Non mais c'est aussi pour ta dans un défense, coin de ma tête. le passeur et le gutter, ils ont le même coup. Donc Oui, ils ont le même coup, exactement. Ouais. ta défense. Bon, ils ont pas les mêmes stats, mais voilà. Non, mais moi j'aurais mis un passeur, tu vois. C'était Ouais. mon côté résistance. D'ailleurs, pourquoi tu mets Pourquoi je le mets pas? pas? Et Parce en plus, que t'as de l'argent, tu peux l'acheter en plus. je Non? Ah peux non, il passe. l'acheter. Non, il passe Qu'est-ce que pas. 85, Ah il non, coûte, en non? plus, ah non, en plus, il passe pas. Non, sinon, Non, non, en sinon plus, je il passe pas. Faut l'ai. changer. Ah, 5 000 près, il passe pas. Ouais. Donc non, 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 c'est par Pourquoi contre un 4 passe. gutters plutôt que 3 gutters un passeur? Parce que pour le one turn, le passeur est vraiment bien. Mais pour le jeu, il Ouais, accélère les choses. c'est vrai que le passeur, passe le troisième gutter. Après, je joue vraiment pas assez Skaven, je sais pas si. Alors, 3 gutters, c'est vraiment suffisant. Les gens me disent, mais non, c'est 4 ou rien. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai tendance à jouer Skaven plus en bash, donc pas trop à jouer le contre. Donc, moi, je peux me passer d'un gutter, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de le jouer. Donc, je pense que le passeur est plus judicieux que le quatrième gutter. Mais j'ai vraiment pas assez de retour là-dessus. Bon, Donc, on laissera le choix Donc, là, à des le principe. professionnels du Skaven de nous dire Ouais. ça. Donc, là, le principe de ces compétences, c'est que j'ai doublé, à part la châtaigne qui est gold, qui est dorée, j'ai doublé toutes les autres compétences, comme ça, j'en perds qu'une seule. Sauf à un tier 3, et là, Après, bah tant pis. pour le gutter qui a pas arraché le ballon contre un tier 3, c'est pas très grave. Ah, techniquement, on aurait pu mettre le deuxième lutte sur un autre gutter. Du coup, on a un gutter lutte et deux gutter strip. Mais bon, après, le problème, c'est de Après, compo. C'est que si on joue contre un humain qui a du dex, bah, il y a deux strip balls, bah, ils servent à rien, quoi. Ou un contre un alliance qui a dex, il enlève une combe, il va enlever un lutte. Donc, on se retrouve avec une châtaigne, un lutte. Et deux strips qui ne servent pas. Donc là, ça peut être compliqué. c'est contre un Nova, hein, contre l'humain, il peut pas l'enlever. J'ai dit quoi? Oui, c'est alliance, ouais. Ouais, Contre contre alliance, j'ai l'alliance. bon. Donc là, Le Raouk, tu l'as pas compé. Moi, j'aurais mis Raouk bah, 5 contre, combes, moi. c'est dur. Justement, je voulais doubler le reste pour être sûr d'avoir un strip ball. Ouais. Et Châtaigne, tu préfères Châtaigne plutôt que de mettre le Juggernaut? Parce que le Juggernaut, sur le Raogre, ça sert pour le one turn. Il met sa Châtaigne quand même. Bon, quand il couche, mais. Ouais. Bah, châtaigne, ça fait des sorties, quoi. Raogre, c'est Un peu moins, mais il tape tous les discutable. tours, hein. Il te fait des sorties chez toi quand il veut pas taper. Ouais, si vous préférez le Raogre Jug pour les one turns, c'est plus simple, effectivement. Puis je rappelle qu'il est toujours activable, hein, puisqu'il a Sauvagerie animale. Au pire, il vous défonce un 3 quarts. Et ça tombe bien, vous êtes à 13, donc ça peut se faire. Ouais. Ouais. Si en fait. Attends. Ah mais si j'ai des erreurs. Les linemen ils sont pas à 70 là. Putain. Ah Y'a oui, oh personne la qui le vache. dit, hein. Y'a personne qui est en forme dans le chat. Hein. Putain, les linemen scaven à 70 000. Oui, c'est pas mal. N'importe quoi. Oh là là. 4-8. Ah Si oui, je t'as mis les commence stats. à corriger mes propres fautes, je pense que là, c'est la fin Ouais. de tout. Donc Hein. ça Pourquoi c'était fait aussi cher que ça? une feuille, 7 erreurs. Hein. Une Ouais, faille, cette erreur. Oh, il y bah. avait la même, elle était en boucle. Ouais, allez, 2 erreurs. Ouais, Allez. c'est. Vous allez pouvoir rejouer au grattage de l'erreur de Pink Charlie quand il fait ses feuilles avec le prochain roster. Prochain roster, je crois, qui est aussi proposé par Bud Nipkat. Ce sont les Renégats du Chaos. Les Renegades du Chaos, j'ai proposé quoi? Ah oui, j'ai J'ai proposé ça. proposé quoi? Je Je sais sais plus, plus. je sais plus. Ah, oh, c'était il y a 2 jours, ça va, c'était il y a Ah, longtemps. c'était il y a longtemps. Pourquoi il y a de l'étoile? Pourquoi t'as mis L'étoile, étoile? c'est parce que c'est des doubles. Ah oui, c'est des secondaires, tu veux dire. Des secondaires. Je t'ai eu. Voilà. Donc, on joue le Raogre, l'Ogre et le Troll. Alors moi je préfère le Raogre au Minot parce qu'il est bien meilleur contre le léger et il blisse quand il veut. Donc déjà, c'est plus sûr. Bon, il est peut-être un peu plus fragile, Pas mais on veut beaucoup, qu'il fasse hein. du dégât. Bah Plus de mouvement. il a pas crâne épais, il a armure. Ouais, il a Comme le pas crâne minot. épais. Ah, il n'a Non, il pas a crâne crâne épais épais. le Minot. Si, le Minot Oui, a crâne épais. non, la seule différence, c'est qu'il n'a pas crâne épais. Oui, c'est ça. Il a plus Mais en voilà. mouvement, il a que préhensile. Ouais. Et sauvage et animal qui fait qu'il tape quand il veut. Donc Ogre et Troll, alors les trois seuls qui peuvent avoir accès à garde pour une compétence simple, primaire. Donc, bah on met que le troll parce qu'on optimise avec des doubles, avec des secondaires sur le Raogre et l'Ogre. Donc Ouais. blocage, blocage. C'est pour moi un des intérêts du tier 2. C'est qu'à 120 000 en thunes, donc on défend 2 x 30 000 pour avoir deux secondaires, il nous reste 60 000 pour avoir trois compétences. Donc, le troll garde, j'ai compé l'elfe noir pour qu'il ait lutte pour en faire un safety.
et le passeur chef, parce qu'on joue à deux relances plus chef. Et qu'est-ce qui me manque là-dedans? Non, ben... 1 100 000, de Après, toute façon, il n'y a que ça. Oui, vas-y. il n'y a que ça. Deux relances. Sachant que, bien sûr, on ne met pas blocage au troll, parce que le troll, il vomit, et qu'il est moins autonome que l'ogre. Il vaut mieux mettre un ogre blocage qu'un troll blocage, si on a le choix. L'elfe noir lutte, on peut lui mettre esquive si on veut jouer en porteur de ballon. Après, on manque de compétences un peu partout. Hein. Ouais, alors moi je Ça va être, préfère porter au passeur parce que bah, libération Ouais, si on a de la contrôlée, c'est place. quand même pas si dégueu non plus. Le jour où ça pue, bah on choisit le rebond, pourquoi pas, mais Après, ici. il achève, donc c'est lui qu'on va protéger. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un Dark Elf avec lutte. Là, Chouvias qui nous dit ce qui est chouette, c'est de voir ce qui peut sauter depuis le tier 3. Donc là, si on enlève une compétence, soit on enlève blocage sur l'ogre, Ouais, ou soit on enlève chef. chef. Ouais, parce que le troll garde, on s'en Le fout. troll Le garde, lutte, ça doit pas être si bon, important bah que ouais. ça. On attend qu'il soit à terre pour le piétiner, donc on s'en fout. Chef, ouais, parce qu'à deux relances, chaque paquet va être compliqué, chaque truc. Ou un bloc, si ça dépend si on a deux trolls blocs, si on a les chariots, les trucs. Ouais, ça Euh, dépend de on ce qu'on a, préfère. on s'en fout du blocage et on peut tenter des choses. Donc, Après, ça, c'est juste, hein. ouais. On voit bien, ça jouable, on voit l'importance d'avoir les deux compétences doubles, mais Effectivement, ouais. ça reste juste, hein. Mais Une c'est fois que ça intéressant se pour fait. chaque roster de dire ce qu'on pourrait enlever si on joue contre un tiers plus élevé. Il Donc faut on y va faire ça. penser pour pouvoir choisir Ouais. la bonne compétence dorée. Se dire si moi je suis un Minus ou si je suis un autre tiers, qu'est-ce que je veux enlever? Roster Yes. suivant. Allez. Les ogres. On va Encore moi, parler. dis Ouais, donc. encore toi, bah, je t'ai tout mis d'avant et puis moi je fais les Tu deux m'as tout derniers. mis. Oh là là, devant tout Je le t'ai monde, tout c'est mis. dégueulasse. Donc, les ogres, parce que je me suis dit, eh, hey, mais on peut jouer plein de compétences. On a 140 000, on n'est pas limité en nombre de compétences secondaires. Donc, bon, on va en mettre plein. Donc là, 3, 6, 9, 12, ça fait 120 000. Et une compétence primaire, donc chef, parce que les relances, c'est cher en ogre. Donc, ça nous fait 6 ogres, donc 5 bloqueurs et le punter, je sais plus ce que c'est en français. Le Botteur? tape-cul. Le Botteur, non? botteur, oui, mais il a un nom. Bon, je sais plus son nom. Il a un nom, je sais plus. Et donc, Je 13 cherche, je joueurs. cherche. Non, je vois. Et deux Non, relances, ils ont donc pas deux relances traduit les plus chères. noms dans le truc et c'est Ah oui, toujours c'est un problème. vrai. C'est vrai. Et donc, on est à 6 ogres avec 4 bloqueurs. Donc, ça pique pas mal. Mine de rien, c'est du gros qui. Voilà, faut les dégager. Même le 1D qui repousse, bah, des fois, ça peut mal se passer. Et voilà, j'ai hésité à transformer un blocage en prise sûre pour faire un porteur bloc. Puis je me suis dit non, je vais porter au chef. Et même si c'est du 4+, bon, après c'est ogre, c'est jamais. Voilà quoi. Ah, c'est les dires partagent ma vision de l'ogre, visiblement. Donc, ouais, c'est possible. Bah, je sais qu'il y a longtemps, à une dèche de Bowl 2016, c'était Darkstone qui avait joué ogre avec pas mal de blocs, un chef et un prise sûre. Un chef, quand c'était encore les premiers ogres, donc où c'était des doubles, où on n'était pas limité en nombre de doubles, et ça peut quand même piquer, quand même. Parce que des gros comme ça, voilà, Ah, c'est difficile à bouger. Hein. c'est difficile à bouger. Après, dès que ça foire et qu'en face, ça joue léger, oui, ça s'infiltre vite, ça vient vite marquer pour espérer pas. Voilà, ça espère que tu rates les pick-up pour contrer vite, et voilà. Mais sinon, ouais, face à du lourd, ouais, c'est quand même 4 blocs châtaignes, ça pique. Deux blocs de pro, ouais, ça peut se faire aussi, ouais, effectivement, deux blocs de pro. Il y a esquive en force qui est pas mal en simple aussi sur les C'est ogres. du 2, mais c'est pour 2 plus. Ah, ça un donne de la mobilité. qui. Et après, sinon aussi, ce qui Ouais. est dommage, c'est qu'on n'a pas de petit sournois là sur un Gnobler. Bon, Ouais, ça bah. compense, hein. On va agresser quand même. Sinon, faut enlever le chef, quoi, mais. Ouais, chef, ah, c'est Le dommage. 3-3 plus est costaud, Ah, le effectivement. chef, c'est mieux. Ouais. Mais bloc est mieux en défensif parce que c'est. On peut coller en fait et forcer l'autre à faire du 1D, mais face à du bloc, le 1D, bah, quand ça passe pas, bah, on se prend le retour de bâton, quoi. Ouais, Enfin, puis le avec les retour châtaignes bloc. là, c'est boum boum boum. C'est ça. Et c'est dire, nous dire, le pro 3+, c'est vraiment bien. Hein. On rappelle Oui, que c'est passé de bah. 4+ à 3+. C'est C'est quand ça. même Pour beaucoup, relancer un beaucoup seul dé, plus. donc le jet de débile, c'est pour ça qu'en vampire, c'est très fort. En Moi, ogre t'es aussi, bloc. mais je pense que bloc est quand même plus intéressant sur de l'ogre. Je pense, il y a le choix, mais. Mais bon, c'est.
Peut-être pour le pick-up aussi, hein, si tu veux une personne, un pick-up un peu volatile, tu peux faire Ouais, plein de trucs avec lui, bon il a pro. c'est vrai que c'est peut-être mieux que prise sûre. Pro, c'est peut-être Je mieux sais prise pas. sûre si on va faire un pick-up. En stats, Parce que tu peux bah relancer son gros débile là si tu veux marquer, si tu veux jouer avec ouais. lui, si tu Non, veux. puisqu'il y aura Faut pour voir. pick-up, t'es 4 plus, 3 plus, 4 plus, la stat est. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai que le pro est plus polyvalent, oui, effectivement, t'as raison, c'est les dire. Donc ça doit être. C'est peut-être pas idiot de mettre un pro chez Ouais, les. À la un pro place de certains porteur. blocs en moins, mais voilà. Bon, Après, moi, je suis parti penser que je testé, hein. porte au chef pour pas que le chef se fasse sac et Et puis voilà. c'est le punter, il est quand même moins mauvais qu'avant. Ouais. Moins D'ailleurs, mauvais, hein, je peux pas te dire. Bien y a eu. meilleur. Ah non, il n'y a pas d'erreur, non, j'ai pas vu. Je crois que tu as oublié un botté de coéquipier. Et non, tu l'as pas oublié. Non, tu D'ailleurs, on es. n'a pas trouvé de faute sur mes derniers trucs, hein. Je suis déçu. Hein. Où je Blocage. m'améliore. Blocage, t'as mis un J. Non, je J'ai mis un déconne. J à blocage. Non, je déconne. Je suis fatigué, hein, j'arrive plus à lire les mêmes choses que toi. Patience, ouais, Ouais, bah bah. en plus, après, c'est moi qui ai fait les deux derniers rosters. Il y en a eu deux sur la J'étais page pas. d'avant, donc là tu en as une où tu peux être propre. Ouais. Ouais, nickel. Donc, ouais, ogre, pourquoi pas. Pourquoi Si vous pas? aimez les jouer, si vous avez un peu l'habitude, ça peut être le moment de pouvoir prendre Après, ouais. une petite perf. Vous pouvez même virer le chef du punter pour mettre pro et le jouer en tant que capitaine. Ça, vous avez deux relances plus la relance capitaine. C'est aussi très stable. Quoi? Donc, J'ai pas compris. après, t'enlèves chef. Ouais. Tu mets bah, pro sur un autre bloqueur, enfin peu importe, tu mets une ou autre chose, et tu mets ce roster ogre en capitaine. Comme Ah ça, oui. tu vois deux plus une relance en plus. Et là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là aussi, ça peut se faire. Donc, en fait, chaque roster est plutôt assez malléable du fait qu'ils peuvent devenir Une demi. capitaine Ouais. un Le spot. capitaine, c'est quand même une demi-relance en plus. Donc Ouais, c'est très plus fort. une demi-relance. C'est une relance, mais si on Ouais, c'est une time bien. relance sur. Ouais, c'est Si ça, on une time relance sur le bien match. sa première mi-temps, ouais. Si on time bien sa première mi-temps, c'est une relance tout court. Donc, C'est c'est quand ça. même plus qu'une demi-relance. Roster suivant. Et allez, roster suivant. Les Halflings. Eh bah oui, je fais Et c'est toi qui l'as fait. petit ouais, roster Halfling, parce que je vais sûrement jouer Halfling. Et donc Tu j'avais commencé à bluffes, regarder. Je tu bluffe bluffes, Martoni. Martoni. Ouais. C'est comme ça, Bud, il vient de l'apprendre. Hein. Il ne savait pas. Il croit que c'est une blague, mais. Je sais Non, pas non, moi. je vais peut-être jouer à Halflings. C'est quasiment sûr, même. Deux hommes arbres, hein, parce que si on ne prend pas les hommes arbres, ça sert à rien de jouer les Halflings. Ensuite, j'ai mis un FT, parce que j'aime bien le FT. J'ai mis un FT. Alors, je crois que ouais, c'est ça. Des linemen, et il y a deux stars. Parce que je dis, il fallait mettre deux stars. Donc, je mets deux stars. Rumbelow, Sheepskin, qui a blocage, qui est corne, qui a juggernaut sans les mains, tacle, crâne épais et une petite compétence supplémentaire, bélier. Avec donc pour 170 000, hein, il est très très bien. Il apporte tout ce qui manque, puisqu'il a tacle, blocage, corne, donc il peut taper tout seul à 3D. Et comme il a juggernaut, il reste même pas collé quand ça se passe mal. C'est quand même super bien. Et une super châtaigne. Et une super châtaigne, il paye une châtaigne par match, donc avec le Oui. bélier. Et Carla, qui est. Là, je ne Qui est sais un plus sa peu. Qui est bien. compétence, je vais la retrouver. Vas-y, Ouais, pardon. alors elle a comme je crois, comme une griffe, non? Je sais plus, je l'ai pas marqué, Non, la non, non, attends, compétence. je vais regarder. Donc 6, 4 de force, 3 plus en agi, 4 plus en passe, une armure à 9 plus. Putain, elle a 9 plus d'armure, je me suis pas trompé, c'est pas 8 plus. Non, elle a 9 plus, Oh non, là c'est. là, elle est bien meilleure que Non, Zard. c'est Hein. une. Ah oui. Blocage, esquive, intrépidité. Elle a pas bon. Bon. Elle n'a pas. Elle se Si, elle confond a bon. Si, avec elle a Zard. jump up. Elle a bloc, intrépidité, esquive, jump up et solitaire. Voilà, j'arrive même à trouver mes propres fautes. C'est Ouais. beau. Et pour sa règle spéciale, donc indomitable, une fois par partie, quand elle réussit son jet d'intrépidité, elle augmente sa force du double. Ah ouais, ok. Donc c'est. Elle Tu fait peux des 3D. défoncer une momie, quoi. Ouais. Une fois par Et partie, elle démonte griffe aussi. Bloom. Ah ouais, il n'y a pas la griffe. c'est ça. C'est pas Mais besoin de pote, c'est du 2D, voire du 3D facile. c'est Avec du un pote, 3D. c'est du 3D. Ouais. C'est du 3D, donc ouais. Donc voilà. Alors là, moi, ce qui me gêne un Avec. peu dedans, c'est dans ce roster, c'est eh ben il est où le catcher? Mais j'ai pas mis le catcher parce qu'à 5000 près, il rentre Ouais. pas. Il faut C'est enlever ça. un joueur, sinon on joue à 13. Ah, c'est compliqué à 13. 13, c'est un peu juste, je trouve. Ouais. Donc c'est soit 13 avec le catcher.
Parce que là, ça rentre tout pile. Hein. 1 million 10, avec le cuistot, une relance. Et en termes de compétences, voilà, on réfléchit, il faut forcément le sournois. L'arracher le ballon, je pense qu'il est très important. Je le mets en gold. Parce qu'en toutes les équipes, c'est lui qui va pouvoir faire la différence. Soit on met un lutte et un chef en double, soit on a 4 compétences simples et le chef, on le met sur le FT. Donc, si on aime bien les compétences doubles et qu'on veut un lutte pour vraiment aller jouer le contre, bah, il faut mettre lutte. Le chef, à ce moment-là, il reste un double, on le met directement sur Treeman parce que sinon ça fait 10 minutes de perdu. Autant mettre sur un des hommes arbres, il a plus de chances de rester sur le terrain même s'il bouge pas. Et avec une Carla qui est porteuse de balle, c'est l'intérêt de ce roster. Qui est un petit peu dommage, c'est que là, tu as un FT qui n'a rien. Ouais, j'ai un petit qui rien. Et techniquement, il pourrait avoir chef en compétence primaire à Oui. la place de l'homme arbre. Ça libère 10 000, donc ça veut dire qu'on se passe d'un lutte. On peut pas l'utiliser pour. Ouais, c'est ça, on se passe du lustre et on met plus de compétences simples. Et on met une compétence simple supplémentaire. Donc Si on on a un enlève peu le la remplacer. chef et le lutte, on a 4 simples. Non, le chef, tu le mets sur le FT. Donc Oui, c'est ça devient ça. une simple. Et Il le reste 2 lutte simples. 13, devient pardon. une simple. Ça Ça fait une fait 3 simple. simples. Ça fait donc, au lieu d'avoir un sournois, on peut rajouter De un glissade contrôlée, on peut mettre des gardes sur les hommes arbres en fonction de ce qu'on met. ou un deuxième sournois. Hein. Ou un C'est deuxième sournoi si. Si on pourquoi pense pas. qu'il va sortir. C'est vrai que chef sur le marbre. Alors, on précise, on a mis chef sur le marbre. Bah, c'est le seul à avoir accès à une compétence passe en secondaire. Parce que le lineman ne peut pas avoir chef si on se dit bah c'est mieux que. Voilà. Le FT peut l'avoir en simple, donc voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de catcher, les one turn, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, il faut un lineman équilibre qui sert juste au one turn. Mais à la place Ouais. du chef que tu mets sur FT. Mais bon. Mais C'est ça. c'est très jouable, hein. Ça peut être marrant, ça peut être plus que marrant. Ça Ouais, c'est tout peut à être fait. plus que marrant, hein. Tout à C'est fait. assez stable, il y a beaucoup de choses à faire. Sachant que y a la possibilité aussi de changer Carla en Grand Bengal, sûrement ce que j'étais moi en Un train de grand. réfléchir. Oui. Grand Donc le nain qui va donner des compétences en plus toutes les tours, Oui. châtaigne notamment, c'est bien de mettre Châtaigne, une oui. châtaigne Pour à la au biquette. bélier, à la Au biquette, bélier, un voilà. tac châtaigne bloque tous les tours en plus des hommes arbres, équilibre, qui marche pas Équilibre pour le one pour turn, mais bah non en fait ça ça marche sert pas pour quand il y a besoin, esquive en force, ça fait des treeman qui esquivent à 3+, ouais ou des ou des ou des des linemen qui ou esquivent des à lignes. 2+ Ouais, ou des lignes qui esquivent à 2+. traverse un rideau à 2+ ouais Voilà, ou Grand Bloc qui et esquive à 2+, s'il y a besoin aussi. Hein. Voilà, enfin ça. Il y a intrépidité? Non, il donne pas trép. si Il si donne un d'un trép. prêtre Bah, ça fait ouais un si dé si haché le ballon, ou un dé lutte. Allez. Hein. ouais. Donc ça donne Ouais, mais on moins, verra c'est ce pas un que c'est porteur. bon. Parce que l'intérêt de Carla, c'est que c'est un super porteur. C'est un peu le griff du pauvre, hein. C'est le griff de la D2. Oui, bah oui, complètement. Mais on n'a pas accès à Grib, Ouais. donc on a Carla, qui dans ce système fonctionne bien, hein, ça fait un bon porteur. Avec Grand Brigal, le porteur c'est un Halfling, très clairement. Mais on gagne un bloc châtaigne stabilité qui donne des compétences supplémentaires à tout le monde en fonction du besoin. Donc ça peut être plus tactique, Et puis ça reste moins un dangereux. humble attaque châtaigne aussi, donc c'est aussi très bien. Il n'y a pas de tacle, hein. Ah non, stabilité, pardon, Stabilité. stabilité. Oui, excuse-moi, ouais. Ouais, Barbu je l'avais. charismatique. Hey. Ouais, je l'avais joué à un tournoi, je crois que c'était à un tournoi d'un jour à Mince, à Orléans. Ouais, c'est sympa quand même. C'est quand même comme ça, pas comme champion. J'ai joué en nordique. C'est quand même sympa. Donc voilà, il y a deux possibilités pour la flingue. Il y a pas mal de choses à faire. Comme disait les dire, ça peut faire le job, effectivement. Mais oui, il faut savoir les jouer, il faut savoir. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est que 14. Mais bon, ça peut se faire. On a le cuistot, hein. Si le cuistot est un peu performant, ça peut faire la Ouais. différence à 110. Sachant Mais que si le on manque de tombe one turn facile, ça gêne un peu quand même. un petit peu moins facile au Winter. Bah oui, Ah oui, un c'est. petit peu moins. On passe au Voilà. suivant, le dernier roster. Le dernier roster. Le dernier roster est un roster minus. Ce sont les gobelins. Je sais plus qui disait go gobelin tout à l'heure. Et bien les voilà. C'était Ganon Golf. Cannon Golf, go goblin. Et donc les gobelins avec deux champions. Alors j'avais fait avec 100 champions, je me disais ah, c'est pas mal, et en fait avec les deux champions c'est encore meilleur. Pourquoi? Bah parce que le bomber il a déjà une compétence double.
Donc bon, c'est déjà Secondaire. ça. Compétence secondaire. Et en plus, on peut mettre un double boulet. Le fanatique châtaigne plus fungus châtaigne. Donc bon, on peut jouer avec 2 sets de force et 2 5 de force sur le jeu avec un seul garde, puisqu'on est on a une double qui est donnée assez, enfin gratuitement, sinon on perd 10 000 sur le tir à point 5. Donc un troll blocage, un troll garde, le hooligan sournois, je l'ai mis en gold parce que je pense que c'est encore meilleur que le reste. Mais peut-être que compte du comment ça s'appelle? Minus, il vaut mieux garder goldé le troll. Peut-être. À voir. Le lounet sournois, donc la tronton sournoise pour continuer d'agresser. Et donc le fanatique châtaigne. Puis des gobelins. On est quand même assez nombreux. On est 14. Alors on a pas mal d'armes secrètes. Donc on va prendre l'arbitre partial pour compenser ça et faire du 5+ pour énerver son adversaire. Deux corruptions. Seulement deux relances. Et donc là, ça peut être bien d'avoir la relance de chef, la relance de capitaine. Ah, Avec cette équipe. t'as pas trouvé de place pour mettre le plongeur, Doom Diver? Je mets plus le plongeur. Tu Mais m'as dit que plus, c'était ouais. pourri finalement. Oui, tu Je peux avoir t'écoute, ton hein. avis quand même, hein, c'est Finalement, vrai. tu m'as dit c'est pourri. Après Ah, avoir tandis que c'était tu... vachement bien, mais le changement des règles fait que c'est quand même moins Je t'ai dit depuis jouer elf, tu m'écoutes pas, tu joues elf bon. encore. C'est toi qui m'as dit jouer elfe au dernier truc, hein. J'avais dit j'arrêtais. Hein. Résultat, j'ai recommencé à faire des bons résultats en elfe. Ça donne envie de continuer, on sait comment ça finit. L'esprit contradiction, Hein. ah, bien sûr, ouais. C'est ça. Il Il est cool écoute ce le Doom live. Diver. Ouais, il était vraiment monstrueux avant. Il reste toujours très bien. Mais Ouais, il est moins celui-là, automatique qu'avant pour les moins one turn, automatique. Ouais, mais il fonctionne encore très très bien. mais il a besoin d'une compétence pour être intéressant, donc soit esquive, Mais soit si. esquive. Donc Esprit esquive. Pour viser les cages. dans un Ouais, rule pour set viser où les t'as cages pas aussi. Ouais. beaucoup de... Ah ouais, oui, ouais, il est cher pour viser les cages. Un gobelin, c'est plus simple pour Il viser est à les cages. 70, non, le Doom Diver? Il Premier a... ou? Oui, Je vérifie. 70. 60. 60. 60. 60. Ah, il est moins cher que le hooligan, mais hooligan. Ah Putain, non, c'est l'oublier. le pogo, il est 75, mais lui, il est à chier, par contre. Le Pogo, il donne juste un point de mouvement en plus. Le Ouais. reste, c'est pas utile. 65. Non, il est à 60, le plongeur. Il me dit 65, Chouvias. Non, non, il est à... Vérifions ça. Vous Ouais. entendez le livre qui tourne? Vas-y, Alors, où est-ce qu'ils sont ces gobelins? agite des répets, vas-y, on va y croire. Doom Diver 60. Ouais, c'est Sauf ça. s'ils se sont trompés dans la version française. Ah. Je ne sais Ah, pas. ça serait... Ça serait dégueulasse. C'est dégueulasse. Il est plus cher et en plus le gain, il pue la merde. Vous êtes peut-être planté, mais vous a fait chercher. Hein. Exactement. Ouais, il vous en prie. Bah oui. Hein. On est là pour corriger les choses. Il n'y a pas de Mais surtout problème. les nôtres, hein, d'habitude. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est les nôtres. D'ailleurs, elles sont où tes fautes, toi? Ah, Dribble il y a Snow, des c'est un trucs pâté. soulignés là, j'ai oublié de les enlever, de dire que ça existait, Dribble Snot, à l'ordinateur. Après, le reste, sûrement, il y a des fautes à chercher. Doum, 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 doum. Donc, oui, le bomber hein, qui est très bien, qui a passe 3+ et précision, plus la compétence Kaboom qui permet d'exploser dans les mains d'un joueur qui aurait intercepté la balle. C'est quand même dommage. Et Fungus qui a un boulet, donc 4 de mouvement et surtout. Châtaigne avec une super compétence qui lui permet de relancer un des D6 de déviation par tour. Par tour, et eh oui. Par tour, par tour. Et Ben, ça, ça c'est rend un bien. peu mieux, ouais. Voilà, bah là, franchement, t'as pas envie de les affronter. Hein. Les deux fanatiques, plus le troll garde, plus un troll blocage, deux sournois qui sont là pour te défoncer. T'es même pas obligé de mettre la tronçonneuse au début du jeu. Et tu dis, j'attaque. On va voir ce qui reste. Et en défense, tu mets tronçonneuse plus. Plus le bomber, plus ce qui reste, et tu dis vas-y, essaye de passer. C'est vrai que Arguille, parce que sinon tu te fais défoncer. Hein. quand je jouais gobelin dans la version précédente, j'aimais bien quand le ruleset me permettait, je jouais deux trolls blocs, un champion, donc Bolgroth, et les deux chaînes boulets, donc le normal et le champion. Et là, tu avais 5 forces, 5, 6 ou 7, et effectivement, c'est une muraille qui passe pas. Bon, là, t'as pas le star player gros big guy, mais ça reste quand même fort. Après. Dans des match-ups face à des minus, donc je pense à du Snot ou du Bomber, bah c'est Snot aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Ah bah oui, les bombeurs, ça va être au meilleur bombeur à celui qui bombe le bombeur en face le premier. Ouais, puis même du half, ouais, je sais pas en fait, mais Ouais, si même ça il va peut, avoir ça du mal à peut. gérer les sets de force. Hein. Ouais.
Bah oui, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, ça peut se faire. Après, tournoi en gold, ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être Blocage en plutôt. gold, c'est quoi Ouais, pour parce que toi? les deux sournois. Ouais. Et c'est vraiment que contre du Minus. Le Minus, tu vas tellement taper que tu auras Ouais, généralement l'agression un peu non, moins. ouais. Ouais, je pense, ouais, peut-être blocage, troll block sera plus important. Ouais. Ou le deuxième Fnatic Châtaigne, le sournoi. Effectivement. Effectivement. Bah voilà, on n'a pas fait beaucoup de tir 1. Le tir 1 est très bien, on le redit, hein. Il est classique, Sûrement le ouais. meilleur, il est très classique. Ouais, c'est, si on vous fait l'homme lézard, bah voilà, vous connaissez déjà le roster, ça sert à rien de réfléchir dessus. Mort-vivant, classique à 110. La question c'est combien de blocs vous voulez mettre, ou est-ce que vous faites 5 compétences ou 4 compétences avec 2 blocs sur les momies. Bon. C'est vrai qu'à ça, on aurait pu penser cet aspect-là, mais bon. Je voulais faire le roster Norse, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Donc, Ouais, je le pense qu'on nouveau, c'est vrai mangera qu'on une aura bonne moins pu en Norse. faire, mais on verra. Bah, surprenez-nous à venir en Norse et à voir si le cochon, c'est vraiment Ouais, bien. on vous dira si le cochon c'est bien, ce qu'a ça a donné le Norse, comment les gens ils ont apprécié ou pas de les jouer. Yes. Et puis voilà, on a fini. Eh ben ouais, on a fini, hein. Est-ce qu'on se donnerait pas rendez-vous dans à peu près une semaine au rendez-vous? À peu près une semaine, bah, c'est à peu près le cas, oui. Donc le 7-8 mai 2022, il sera le rendez-vous Blood Bowl. Donc, Je crois qu'il cherchait encore des gens, hein, je crois. il... Donc si ça vous oui. intéresse, ou si vous avez des équipes, ou plusieurs doublettes d'ailleurs, Ouais, ou je sais qu'il y plusieurs a triplettes. Luke Cage qui cherchait encore un troisième coach, donc des coachs de Palaiseau qui cherchaient un troisième. Donc si vous voulez compléter une équipe, présentez-vous, il n'y a aucun problème, ça fera même plaisir à tout le monde. Puis voilà quoi, Ouais, c'est pas donc mal. sur le truc du rendez-vous, enfin sur pardon le site de France Football, avec donc sur le truc du rendez-vous, tiens, je vais vous mettre le lien pendant que j'y pense. Hop. Hop là. Voilà, je suis pas doué. Donc. Et donc on est ici. Donc si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas le site de France Blood Bowl, hein, c'est le site de vis-à-vis de Blood Bowl. Donc il y a tous les tournois qui y sont, puis après on peut poser des questions stratégiques et techniques aussi. N'hésitez pas à vous rendre. Les gens sont des connards, mais bon, c'est des joueurs de Blood Bowl, donc c'est normal. Mais c'est des gentils connards. C'est C'est des des gentils gentils connards. connards, ouais. Voilà. Comme C'est nous ça. tous. Très agréable en tournoi. Faites des Absolument. tournois, c'est toujours mieux que sur online. Ça vous donne aussi d'autres perspectives de jeu. Et puis, bah, à bientôt pour le rendez-vous. À bientôt, dans une semaine. Et quant à nous, la prochaine émission, ben je ne sais pas. Bon, on va voir ça. On C'est pas doit. encore. On avait dit qu'on ferait peut-être le Graouli. Ouais, le Sur le Graouli qui Graouli. est en fin mai, le Qui est dans 3, 28 enfin, dans après-mai, un mois. Ouais, un peu dans moins d'un un mois. mois, donc peut-être dans 3 semaines, peut-être qu'on va faire l'émission. Peut-être jeudi 19, mais c'est pas confirmé. Ok. Ah, tu seras là, la Chouvias, rendez-vous, bah, c'est très bien. On va se croiser là-bas alors. Bah ouais. Super. Super, super. Bonne soirée à tous, Bonne bon Blood Bowl soirée d'ici au là, Blood Bowl. et puis à bientôt sur un terrain. Et à bientôt. Bonne soirée à tous. Salut! Salut.